C'est le plein cœur de l'été, il fait un petit 35 degrés, on est comme des fruits écrasés, on vient tout juste de se lever, il faut surtout pas qu'on s'épuise, fait chaud à l'ombre des marquises, moi j'aurais envie d'une friandise, mais les formes paralysent, il ne faut pas faire de folie au pays de la glanderie. Ça tape dur cet après-midi, la flemme de me remettre de la crème serait pas comme on surchauffe le soleil, faudrait qu'il puisse mettre en veille. Je te proposerais bien un massage, mais je veux pas risquer le surmenage. Va déjà falloir que l'on nage dans la piscine. Allez, courage. Dis, t'aurais pas une petite faim? L'ennui, c'est que la cuisine, elle est loin. Un petit coup de fil suffirait bien. Une pizza au poil dans la main. Et puis, ce sera l'heure de la sieste. Et si la pizza est indigeste au lit, on peut rester tout le reste de la journée qu'on s'en remette. Il ne faut pas faire de folie au pays de la glanderie. Quasiment un gros mot, évite de parler ou penser trop, fais pas tant de gestes inutiles, sois réactif mais immobile, faut pas dépenser trop d'énergie si on veut tenir jusqu'à cette nuit. Paraît que paresser c'est très sain, c'est bon pour le cœur et les reins. Peut-être aller me recoucher, car c'est mauvais de procrastiner. Je vais prendre le temps de la réflexion, rien de pire que la précipitation. Il ne faut pas faire de folie au pays de la glanderie. Il ne faut pas faire de folie au pays de la glanderie. Il ne faut pas faire de folie au pays de la glanderie. Au pays de la glanderie. Merci.